salut. Resident Evil partie 3 4 3, 4. Ouais, partie 4. 4, je crois. Hein. Ouais, partie 4. Let's go. Ah, j'ai ma petite veste violette du début. Ça y est. Tu as ton skin rouge, je suis violet. C'est incroyable. Elle essaie de me... T'as vu, elle se met en rouge et tout pour essayer d'imiter Ada. Mais je ne vois que Ada. Ouais, me faisait penser un peu à Claire dans RE2. Oui, un peu, j'avoue. Ça va, tu tiens le coup. T'aurais écoute. T'aurais été blanchi. Peut-être. Mais ça n'arrêterait pas Simmons. Et puis. Je commence à m'habituer à ta présence. Oh. Il y a des trafics aériens sous une cathédrale. MDR, on est encore sous la cathédrale là. De ouf. T'imagines? Bah en fait, on a tellement descendu qu'il faut remonter en avion. Il faut remonter en avion. De ouf. En fait, plot twist, on découvre que l'avion, en fait, il descendait. Dans l'univers de Resident Evil, il n'y a rien qui peut bien se passer. Elena. Ah. Merde, c'est les zombies du ciel. Les pirates zombies. Oh, mais genre, la saleté. Ah oui, c'est lui en plus. Putain, il a une de ses gueules, par contre, je kiffe en vrai son ciel. Rofle, MDR. Oh, les dialogues. Ok. Ah d'accord, instant de boss. Ah bah on a quand même nos armes, ok cool. Par contre ouais, prendre la distance parce que waouh. Je vois ce que je peux faire, ouais tu m'étonnes. Pas grand chose à faire. Oh, lui là. Ok cool. Eh hey, l'avion là, oh ça coûte cher. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oh, y'a un gun, un Desert Eagle. Y a-t-il un zombie dans l'avion? On n'a pas qu'un, visiblement. Lightning Hawk. Ok, donc ça, c'est le El Famoso Magnum. Boucher les trous avec les balles. Genius. J'avoue, let's go. Allez vers l'arrière de l'avion, ouais. Et trouvez ce qui cloche. Débarre. Allez vers l'avion, faites contrepoids pour le faire remonter. En vrai, à ce stade-là, je serais même pas si surpris que ça soit aussi pourri. Attends, du coup, je peux passer. Un petit... Non, je peux un pas passer. Icône. Attends, je voulais passer là. Non, je peux pas. Une icône de quoi? Voilà. Oh, attends, putain, j'ai mis un kick le pauvre, il a rien fait. Où ça? Ah oui, là-bas. Trou, là, sous la... Ah oui, bien à vu. Côté de la table. J'avoue, bien vu. Putain, la vache, mon gars, ça tryhard là. Putain, mais. Œil de faucon. De ouf. Attends. Allez. Par contre, allez, regarde, t'as vu cet avion? Tu sens que c'est un avion qui fait 10 km de long encore? Tiens, il y a une weed ici. Attends. Une weed. Oui, j'avoue. Yes, bien vu. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est? Putain, c'est pas la joie. Hein. Y'a rien. Oh, si, non, c'est pas des balles, oui, ça. Moi, je peux faire un petit combo. Rouge-vert. Herbe verte. Ah, salaud. Qui met bien? Oh putain. Nous ne nous mentons pas. Il est grand cet avion, dis donc. Air Force One. Ça y ressemble. Un petit peu. Oh, bah, y'a une autre herbe verte ici. Où c'est vous? Je suis en train vraiment de looter un maximum de trucs. Ah bah, la base. Ok. Combien? Tiens, des points d'habileté là. Ah yes. Je veux bien ouvrir la vanne, mais oh putain. Et gros, mais t'es un ouf du loot, toi, sur ces... L'avion, il est aussi long que toutes les descentes déjà faites mises bout à bout. Putain, non, mais c'est vrai que là, j'avais jamais remarqué, la première fois que j'ai joué, à quel point les distances du jeu, c'était un peu éclate, quoi. Vas-y. Tu sais, là, on va descendre, on va atterrir dans un bateau. Tu sais, en fait, l'avion, il aura des sous-sols lui-même. De ouf. Il y a un noyau, il y a un poisson géant dans... Alors, oui, je l'ai même repris. Je l'ai même repris, tu vois. En gros, je l'ai pris une fois, j'ai voulu passer à droite et sans faire exprès, j'ai glissé sur la caisse et je suis retombé dedans. Un agent d'élite. Et ressortir sous la cathédrale, évidemment. C'est des portes de sous-marin. Non, mais c'est vrai que c'est des portes de sous-marin quand même. Je crois qu'on a réussi à temps. Oui, on va pas du tout y avoir un gros bordel. I'm back, motherfucker. Ok. Putain, je les aime pas ceux-là là. Merde. Ouvrez le sas. Il flatule. Oh, je lui ai mis une petite manchette dans le dos, il a pas kiffé. Aïe. Pourquoi? Allez, la roulade. Non, t'as pas roulé. Ouais, non, t'as pas roulé grand chose là. Ah bah.
franchement, cher. Vas-y, vas-y, je l'occupe. C'est faux. Oh, toi, je peux lui mettre un German suplex. Ah non, c'est juste un kick. Vas-y, j'essaie de te couvrir. Ça fait quelque chose, ça? Pas du tout. Putain, la saleté. Putain, ça nous ronge la gueule, là. Faut vraiment qu'on se magne. Hein. Le poison, il est en train de me tirer. Vas-y, je m'en occupe. Ouais, essaie de le... Ouais, j'essaye. De tirer loin. Putain, j'ai vu un spray quelque part. Ok. Oh, il m'aggrave. GG, merci. Attends, viens par là deux secondes. Voilà. Spray for me. Spray for me, oh darling. Won't you spray for me? Oh putain. Uncharted 3. Oh putain, la petite vue sympa là. Ouais. Je parlais bien de la ville. Ok. Ah, faut que je reste appuyé. Mec, qui grimpe comme ça? Tu sais, vraiment, quand t'es gamin et que t'essaies de faire genre, tu tombes et tu... Ah. Allez. Let's go. Sympa, n'empêche, le petit décor. Léon qui est devenu brun d'un coup. Ok, j'avoue. Mais non, mais c'est ouf. Dark Léon. Dark Léon, putain. Elena, il faut y aller. Allez. Tu sais, il dit ça d'un ton agacé comme si je le suivais pas déjà. De ouf. Oh là putain. D'accord. Ça a mal fini. Oh putain, comment je les stop. Merde. Kick. Kick. Surtout sur une surface lisse totalement penchée. Oh, c'est pas lisse, il y avait des petits picots là dans le... C'est du métal avec des petits picots. On a un chat dissident là ce soir, ils essayent de décrédibiliser ce jeu, cette masterclass là. Tiens. Putain, vraiment, c'est trop bizarre maintenant. Monsieur j'ai. Je suis consultant en truc rationnel. De ouf. Putain, par contre, j'arrive à contrer des trucs maintenant, c'est stylé. Je sais pas, quand il me frappe et que je fais R2, ça fait un counter, ok. Putain, toi, tu dégages. Je l'ai pas vu. T'es où, toi? Ah, mais. Ah. Ouais. A little help. Oh, derrière toi. Je suis en train de charger. Putain, mais il fait chier avec son gaz là. Qui c'est qui a pété? Oh, les Hardy Boys. Ouais, là, c'était vraiment un move Hardy Boys en fait. De ouf. Avec l'avion qui prend de l'altitude, on se retrouve d'ouf avec une rampe à plus de 80 degrés par rapport au sol. Ça me détruit en vrai. Tu sais, la team premier degré, de ouf. Il n'y a pas de dépressurisation normalement. Ah non, c'est bon. Ils avaient rabattu voilà les petits volets. Dormir en avion. Il fait des blagues. Vas-y, let's go. Putain, mais ça c'est relou par contre. Non mais, ouais, c'est horrible. Non, mais t'es calme. Il est sérieux. Merci, putain. Tiens, toi, tu me manges. De rien, putain. T'es vraiment le meilleur, putain. Ok. D'accord, fais un truc. Oh, il y a des munitions de Magnum. Ouais, bah ouais, mais je suis full. Je suis un peu déçu. Ouais, moi aussi, ça me fait chier. En vrai, vas-y, on gâche pas. Ah, attends, quoi? Mais il se fout de ma gueule? Ah, mais le Magnum, c'est pas la même chose. Ah ouais? Bah, je sais pas. Ah, c'est non, Magnum c'est 50 Action Express. Bah ouais, ça c'est des munitions de 50. Bah ouais, ouais, je veux bien, mais en gros, moi j'ai tiré 2 balles, il me laisse pas les prendre. Donc j'ai claqué 2 balles de Lightning Hawk pour rien. Je suis joie. On n'a pas loupé un truc, ça se trouve on a loupé une arme. Je sais pas. Bah après je pense pas. Non, je pense pas parce que regarde. Tu sais, tu les vois tes balles là. Ouais, ouais. Tu vois le Lightning Hawk occupé. Ouais. Et c'est les mêmes que celle-ci là. Mais c'est chelou. J'étais sûr que je vais devoir piloter cet avion. Attends, alors, j'ai essayé pour la science. Là le chat dans 2 secondes qui va faire ouais, non mais c'est pas normal. Normalement en avion tu pilotes pas comme ça. Faut quand même d'entraînement. Ah ouais. Je peux pas les prendre. Ouais, moi non plus je peux pas les prendre, ça me rend ouf. Du coup j'ai claqué. Non, mais si. Bah, si t'es full en fait tu peux juste pas les prendre pour les... Ah mais oui mais putain mais bien sûr on est trop cool. T'es full santé ou quoi sinon je vais utiliser mon spray. Je suis pas... Bon après quitte à utiliser vas-y. Enfin non en vrai non. Ouais bon si. Trop tard. Ouais.
Vas-y, de toute façon, il fallait. Je peux les prendre. Vas-y. J'avoue, moi aussi c'est bon. Donc j'ai claqué quand même deux balles pour rien. Allez, c'est moi qui pilote l'avion. Okay, bah, avec ce qu'on a comme balle, oui. Je pilote un Boeing, au calme. Non, en vrai, c'est easy conduire un avion, faut juste rester sur le point de patinage. Attends. Oh non, j'ai encore un gameplay où faut que je trouve des trucs. Attends, quoi, j'ai pas compris. T'es en train de te fight, toi, de derrière. Oui. Attends. Avec des zombies bastos. Okay. Ouais, bah, hein, moi, je pilote l'avion, donc tu te démerdes. C'est un peu Archer, Léon, dans cette totalement. Et à côté, c'est pas Lana, c'est Elena. Elena! C'est plus dur que ça en a l'air. C'est plus dur que ça en a l'air. Le mec, il est en train de piloter un Boeing dans le plus grand des calmes. Oh, c'est un peu dur. Il faut que je fasse quoi, là? Je suis à 950 feet. Et les femmes, c'est où les gaz à fond? Il faut combien de leviers pour piloter? Je sais pas où c'est. Ah! J'essaie de pousser les gaz! Putain, mec, je suis en train de faire les pires QTE. Ça me rappelle le 5, là, quand t'en as un qui fait quelque chose et l'autre qui galère sa vie. Oui. Easy. Oh mais genre, petite cutscene stylée. Le budget non, de la cutscene d'un coup. What the fuck, comment elle est propre. Ada. Non mais tu sens que ça c'est pas du Ada. Tout Ouais c'est Ada sur le train, tout va bien. Pourquoi? Parce que c'est Ada. Non mais bon, tu sens que ça c'est ça vient des trailers, tu as limite. Ouais. Oh le bordel. Ça devait être télévisé à l'époque. De ouf. Ah d'accord. Ah d'accord. Quelle belle arrivée. C'est le daron qui te met le coup de coude, c'est. Ah d'accord. Ah oui non mais le pire c'est que j'avais même pas. Non en plus c'était même pas voulu pour le coup. Non c'était même pas voulu. J'ai pilotage. Bah oui, j'ai piloté là. Regarde, on n'est pas mort, tout va bien. Tu sais on a fracassé 20 000 buildings, on a tué 2000 personnes. Ah mais tiens, regarde qui c'est là. La reconnais-tu? C'est Chéri. Qu'est-ce que tu fais là? Le lore. Léon. Ouais. Non, pas Ashley, hein. On m'a dit que c'est Ajax dans Deadpool. Francis. Je recherche le responsable. Non, mais c'est pas. T'as dit Léon, mais c'est pas Ashley, hein. Quoi? Ah putain, il ressemblait. Non, c'est Chéri de RE2. Ah, la petite Chéri. Oui, c'est Chéri, putain. Et lui, c'est Jake. C'est le fils de Wesker. Où est-il? C'est la troisième campagne. Dis-le-moi. Ah, il a la voix de. Il a la voix de Léon dans RE2, JPP. Et il a surtout la voix du personnage préféré de Freedom, c'est-à-dire Noctis. Bon, avec une épidémie de zombies. Ah non, pas du tout la voix de Noctis. J'ai dit des bêtises. Donc, une épidémie de zombies, ça, tout le monde se lui demandait comment on peut fournir toute une ville d'électricité. C'est la Chine, mec. Là, pour moi, c'est réaliste. Je vois. Lol. Oh! Un méca zombie. Ouais. Bah, je crois que c'est un peu leur némésis à eux, ça. Eh, parce que du coup, oui, on va les croiser, hein, les persos. On va le croiser, Chris, cette fois. Quand même. Léon, l'avion. C'est la petite fierté du pseudo daron, là. Tiens, c'est le leur némésis, là. C'est lui. Ah ah. C'est une longue histoire qui est racontée dans la troisième campagne. Je t'expliquerai plus tard. Si tu joues. Let's go. Ok, je crois que je vais sortir le 50 AE. Je sais pas, parce qu'il y a peut-être une strat sur ce boss. Méfie-toi de ton bras. Bon, moi je me méfie de lui tout entier, tu sais. Je pense qu'il y a une strat à base de pousser des objets ou je sais pas quoi, tu sais. Je suis monté en haut pour voir. Ok. Ah oui, oui, en effet, oui. Il y a des bidons. Attends, attention, reculé. Moi, je suis en train de looter toute la pièce. Vas-y, bats-toi, vas-y, tu vas l'avoir. Continue, tu t'en sors. Oh, une herbe rouge, énorme. T'es... Ouais, vas-y, vas-y, hein, t'es le meilleur. Cool, des points d'XP. En vrai, je regarde s'il y a d'autres bidons. Ça va? Oh, je lui mets un coup de pied dans la charte. Moi, je lui mets un coup de pied dans les couilles, il a rien senti. Par contre, j'essaie de voir comment je peux monter pour aller chercher ces caisses-là. Oh là, attention. Putain, Chéri qui a pris une tartine.
Ça me rappelle, c'est dans Hero 2 quand tu captes pas que c'est Sherry Birkin et que t'as William Birkin qui fait Sherry. Et tu dis ouais. Qu'est-ce qu'il a lui? De ouf. Parti en haut, déjà. J'essaie de me rappeler comment on fait. Ah, un bouton. Oh, est-ce que tu peux venir? Ouais. Merci. Et appuie sur le bouton rouge. Ah, bah, genre, c'est pas fini. Enfin, c'est fini, pardon. Bon, bah, c'était un petit fight. Ah, bah, d'accord, ok. Bon, bah. En fait, il n'y avait pas du tout besoin d'appuyer sur le bouton rouge. Ok. Petite balle de Magnum. Dans le doute, je vais les pousser. Dans son Magnum. Dans son Magnum. C'est nul. Il est fier de sa connerie en plus, putain. Un sacré gros calibre celui-là. Allez, vas-y. Bien reçu. J'y vais. Oh, mais c'est moi ou chérie, elle a la voix de Ellie. Et je suis en train de faire mon petit wiki doublage. Pas entendu. Je crois qu'elle a la voix d'Ellie. Ah, bah, leur. Salut. Mais genre, moi je suis avec elle. Est-ce que ça va? Mais si, elle a la voix de Ellie. Comparé à Raccoon City, c'est une promenade de santé. Oh, je sais pas. Hein. Aïe. Aïe, t'es en train de te fight contre lui, toi? Ouais. Moi je suis tranquille, je suis avec Chéri, on fait des trucs. Moi je prends un bus. Je sais pas, parce que là, tu sais, la tension qu'il y avait au début, elle existe même plus en fait. Genre, à peine arrivé, c'est le méga zbeul. Je fais au plus vite, hein. Okay. Oh, j'aime bien parce que moi je fais des trucs à côté, mais quand tu t'es down, j'ai un petit flash sur toi qui te fait éclate. Moi je suis en train de gérer un truc avec le bus, et là tout d'un coup je te vois tomber par terre. Okay. Ça me gratte les écouteurs, il me défonce les oreilles. Ah bah yes. Bah, super, on peut vachement compter sur son partenaire. Mais là, mec, j'ai pris un coup. Oh, je vais monter en fait en haut d'un conteneur, il était déjà là. Ouais. J'aurais même mis un coup de fusil à pompe à court portée, c'était waouh. Ouais, tiens-toi à distance, moi je suis en train de gérer un truc avec un bus là. Je pense qu'on va sûrement lui envoyer un bus dans la gueule. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Bon, faut les rejoindre, faut les aider. Tiens bon. Je pense que je peux le réparer. Ok. Chérie, prends le volant. Ok. Je répare un bus, hein. T'inquiète, j'arrive. En plus, je dois faire des... Mec, je fais des QTE à la Dead by Daylight pour réparer un truc, ça me bute. Ça va péter! Est-ce que le bus est bien arrivé à destination? Il est bien arrivé. Eh bah, tu m'envoies ravi. Pile là où il devait. Ah, comment on a éclaté leur ville. Oh, la voix de Diva là, ça me trigger. Éjection! Ok, j'arrive. Ok, est-ce qu'ils sont encore là les trucs que j'ai fait tomber tout à l'heure? Oui. Je sais pas s'il faut faire. En vrai, je sais pas s'il faut la tirer, non? Par contre, fusil d'assaut RN, ça me fait rire, tu vois, parce que. Le fusil d'assaut de Marine Le Pen. Oui. Tu sais, il tire des balles. J'ai fortement pensé. Il tire des balles de haine. Bon, il fait quoi lui? Il a bugué ou quoi? Je crois qu'il a bugué. Hein. Écoute. Je crois qu'il faut aller par là-bas, on n'y a pas été tout à l'heure. Bah écoute, oh la grenade. Vas-y, bah écoute, on va essayer. Attends. Aider Chéri et Jake, ça me dit l'objectif. Ouais, j'arrive, je te rejoins. Oh oui, il arrive. Il arrive, Clinton. Pas mal. Ouais, je sais, je sais. Ah ouais, d'accord. Et le mec il se fait une petite upgrade au calme. Ça va. Ouais, du coup si tu vois des trucs en hauteur tu sais, avec des barils que tu peux pousser. Ouais, je vais essayer de faire ça. Non, là, je sais que je suis en train de faire mon wiki doublage là, mais Free, est-ce que t'as remarqué aussi que la voix d'Elena c'était la voix de Lyara de Mass Effect? Ok, là il y a des... Ok, ouais, là. Que j'ai fait ok, d'accord, nice. Je vais en faire tomber là aussi. Oh, il arrive vers toi, il arrive vers toi. Barre-toi, barre-toi. Bon, je suis oh, le ouf. Oh, t'es un ouf, mec. Là. Pas grave, oh, je fais tomber. Ouais, ouais, je vais avoir un bête de plan sur lui. Attention. C'est bien ça. C'est bien parce que ça a pas pété ceux de gauche. C'est pratique ça. Vas-y, je vais essayer d'aller activer le troisième. Putain, ce bordel, mon gars.
Ok, j'active, j'ai poussé le troisième truc. Nice. Ok, attends qu'il vienne là. Vas-y. Hey, gros balourd. Hey, tu t'en prends à Jake et Chéri, tu t'en prends à New York tout entier. Tu t'en prends à la Chine entière. Ça fait beaucoup de monde quand même. Ça fait beaucoup de monde. Moi, il fait quoi? Il est bugger? Non, il est par là-bas. Il est en train de se fight de ouf. Oh bah, il a des pops devant moi. Ah. Ok. T'as remarqué que ça lui arrivait souvent d'être séparé par du feu et de dire aux gens on se retrouve là-bas. C'est fou hein. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Espérons que Jake est aussi doué qu'il le pense. Spoiler, il l'est sûrement. Ok. Léon, tu me reçois? Ah oui merde, je croyais que c'était toi qui me parlais. J'étais perdu quand l'avion s'est écrasé. J'ai repris contact. Regarde, hop là, comme ça qu'on casse des caisses. Allez, t'as vu. Poursuis ton itinéraire, ok? L'agent Birkin. C'est l'agent Birkin de ouf. Jane Birkin. Par contre, ça. 3, 4, 5, 6. Ah, mais genre, le mec qui gratte, quoi. Rien ne se perd. Won't you stay for me? Okay. Il a dit qu'elle retrouverait Simmons dans l'immeuble Kunlang. Pour commencer, tu vas devoir traverser le marché en plein air, devant toi. Ok, oh, obligé. Oh, saleté. Et où la poulette? Voilà. Je suis sûr que ça donne des trucs. Ah non, on n'est pas dans RE4. Non, des zombies chinois. C'était quoi ça? Les fameux. Des ennuis. C'était quoi ça, des ennuis? Des chinois. Non, y a pas moyen d'aller par là. Je suis en train de tourner la caméra comme un abruti pour voir si je peux rien. Ouais, pareil. Oh putain, c'est Outlast. Yes. Pratique ça. Super pratique. Ultra technologique. Oh là. Oh non. Ah oh, c'est dégueulasse. Petite tête de porc. Ah bon, et Baba, qu'est-ce qu'il va nous trouver comme... Oh, c'est dégueulasse. Oh la vache. Papa. Pourquoi toute la rue est bloquée? Les habitants voulaient barrer... Ah mais what? J'en avais jamais vu un comme ça. Bah tu m'étonnes. C'est la pire phrase. Oh, j'en avais jamais vu un comme ça, tiens. Oh. Oui. Sans doute. Oh, il est particulier celui-là. Nouveau, non mais c'est bon, arrêtez là. Ok. Je sens que c'est de la merde ça. Ok. Ouais. Ah mais genre il va se reformer hein, je pense. Ah mais c'est dégueulasse. Ça marche pas. On va continuer longtemps comme ça. Faut le brûler peut-être. Continue, on va manquer de munitions. Je pense qu'il faut pas le buter. Faut aller chercher les clés hein. Moi je go les clés. On va faire ça. Ah lol, je me fais électrocuter. Pas cette clé là du coup. Electrify. Le verrou est derrière, MDR. Bah, je pense qu'en fait là on est poursuivi par le truc qu'il faut gérer, tu vois. Vas-y. Ok, on peut ouvrir cette porte là. Il arrive, bordel. Lol. Allez. Je sais pas ce que je fais avec mon couteau, mais j'irai pas bien loin. Là, celle-là on peut l'ouvrir ou pas? Non, on peut pas, putain. Non, vas-y, on peut pas, continue. Ouais. Hop. C'est bon. Ah, un petit coup de pression là, ça y est. On commence à être un peu poursuivi. La poudre d'habileté. Non, des points d'habileté, putain. J'ai trouvé de la poudre d'habileté. De la poudre de perlimpinpin. De la poudre de talent. La poudre de talent. J'ai trouvé du skill en poudre. Non, toujours pas. Hein. Vas-y, je te suis. Non. Ça, c'est de la combien. Mais ça nous mène pas du tout. Je pense que c'est de la combien. Hop là. Ah, oui, effectivement. Vas-y, je refais le tour. Ah, attends, what? C'est quoi ça?
J'avais un truc avec croix là, il y a deux secondes. Bon, ouais, moi aussi, je peux. Mais je l'ai pas vu. Je crois que c'est le cadavre. Suis-moi. Là, là, non, reviens. J'ai pris à droite. Enfin, ah oui, à gauche. Derrière toi, non, derrière toi. Là. Pourquoi il rigole ce petit con? Je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit un rire à proprement parler. Ah, d'accord. C'était un cul-de-sac. Salut! Putain. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Putain, la saleté. Ah, y'a une main! Da-da-da-da. Mais genre, qu'est-ce que je peux faire avec sa main? Putain, mais ouais, faut aller où là? Ok, attends, je fais L1 au pire, je vais essayer de suivre. Ah non, je pense qu'il va m'indiquer la porte. Putain, et je me viande sur les cadavres là, fais chier. En fait, la loupe, c'était juste tu te baisses et tu fais tous ces pauvres gens. T'es ouf. D'accord, super. C'était vachement utile. T'as les coups de traîner dans le coin. Tiens, par où je suis? Je sais pas si on a été par ici. Je ne crois pas. Après, si c'est encore un cul-de-sac. Et là, y'a rien. Putain, c'est grand ici, là. Ok, ah, ouais, y a une échelle ici. Attends, je regarde juste au bout. On était derrière, là, tout à l'heure. La clé. Regarde, clé de cadenas. Allez, encore deux. Attends, y'a les caisses. Voilà, salut. Il est pas loin. Bah, ouais, il m'a mis une patate pendant une cutscene. J'arrive pas à l'esquiver. Hop là. La glissade. T'as réussi à monter? L'orage de mon glissage. Non, oh, il monte. Il monte aussi là par contre. Je suis passé par le toit. En fait. Non, reviens, je suis passé par le toit. Oui, d'ouf. Reviens, reviens, reviens. Ah, d'accord, je peux te propulser. My bad, je peux te propulser. MDR. Ouais. J'avais pas vu, je pensais que ça te faisait redescendre. Et oui, on se suit, moi je le suis. Mais oui, c'est une course poursuite avec la musique de Benny derrière. Ok, hop là. Quelque chose là. Allez, c'est bon. Ah, par contre, je veux dire jeu. Je sais pas où je vais là. Il y a une porte à ouvrir. Je crois que je peux débloquer cet accès là. Allez hop, putain, dépêche-toi. Ok, c'est bon, j'ai réussi à revenir, je crois. Je te suis avec ma caméra. Caméra. Vas-y. Attends, je vais l'ouvrir. Vas-y, prends bien ton temps. Oh, j'ai esquivé en glissant. Ouais. Voilà quoi. Merci. Ok, j'arrive. Pas par là. L'avantage c'est que celle-là est déjà ouverte. Ah yes. Clac. Attends, y'a une main là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, mec? Ouais. On peut la lancer. Eh, mais on est déjà venu ici. Fuck. Ah ouais. Bah oui, c'est juste que je sais pas comment on fait pour passer parce qu'il y a l'électricité ici. Y'a ces putains de fils. Bah là, on a les fils qui se touchent. Oh, y'a des balles, attends. Quand même. Vas-y, j'essaie de regarder par là si je trouve quelque chose. Ah, ici. Ok. Oh. Oh non, il y en a un deuxième. C'est bon un ça jumeau. Allez, let's go. Au-dessus, il est là. Hop, ça. Il y a une échelle ici, je crois. Oui. Putain, la course-poursuite à deux balles. Et j'ai le jumeau qui me suit. Ok, attends. On peut pas grimper, non, on peut pas grimper là. Ah, je crois que ça sert juste à redescendre ici. Ah, je peux peut-être te propulser? Non, pas du tout. A mon avis, il y a peut-être une manière d'enlever l'électricité. Ouais, je cherche. Ah, j'ai trouvé. Ouais. Il y a un levier juste à côté. Ah bah oui, on dirait. Des fois, on cherche beaucoup trop compliqué. Oui, 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 c'est clair. Trop habitué au vieux Resident Evil où c'était un peu plus complexe. Oh merde, c'est une 2. Okay. Donc, fonçage de porte. Ok. J'ai trouvé la dernière. Allez, on dégage d'ici. Oh mais gros. On se casse. Merde. Vas-y. Je spoint. Des barres, faut que je mette les trois. Super. Léon. Oui, oui, bah oui. Ils ont le temps de mettre des coups de pied dans les portes et tout. De ouf. T'sais, si tu le fais pas de manière stylée, autant pas le faire. Hein. Oh non, mais sérieusement. Tu rentres pas.
Help, help, help. Aidez-moi. Je peux spammer rond pour t'appeler. Du renfort. Lol. Va dans le broyeur. Ouais. Ah. C'est dégueulasse. Ah. Non mais normalement là on est 100% infecté. La voie est libre. La voie est libre de ouf, hein. Il faut pas rater Simon. Il finira dans un petit bol de... Hein. Au palais d'Emeraude. Une cuisine traitée propre. Oh putain. Oh mais tiens. Hygiène top qualité. C'est bon là putain. Wagon lit. Portez même pas de masque. Putain, Baba qui revient 20 ans après juste pour sortir une connerie comme ça. J'oublie toujours d'enlever la cam pour la cinématique. Lol. Ada. Sûr qu'elle a pris un seum monstrueux parce qu'elle a pas eu le temps de poser. Oui. Elle a voulu faire, ouais, elle a voulu faire cette espèce. Putain, chier. Allez, il faut qu'on trouve des réponses. Et je pense qu'elles sont au sous-sol. Allez, on redescend. Vas-y. Oh, arrête de casser les portes. Tiens, des cuves. Ça faisait longtemps qu'on avait vu les cuves. Ah, tu me casses les cuves. Oh, aïe, 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 le niveau, quoi. Tiens, Ada, elle était au-dessus, MDR. Ah bah elle est toujours au-dessus. C'est bon là, elle pèse. J'aime bien parce... Mais regarde, genre Ada, tu sais jamais si elle est gentille. Ah, oh là. Laser. Ah oui, d'accord. Un classique. Des films. Attends. Ok. Allons. Ouais. Bah ça va, oui. Il y avait de l'idée, hein, mais t'as fait une roulade avant, quoi. Ouais, mais on fait une... comment. Il y avait une QTE à faire. Bah je sais pas. Non, non, moi je me suis juste allongé vers la... What. Mec. Elle t'a spawné dessus. Ouais, elle m'a spawné dessus, ouais. Tiens, prends un tic-tac. Ah, merci. Non, mais. Non, mais ça va. Tiens, prends un coup dans le cœur. Bon, par contre, recule direct là. Allonge-toi. Lol. MDR. Quel jeu d'autiste. J'ai paniqué. Ok, attends. Attends, on va y aller. Mets-toi sur le dos au milieu, tu vois. Non, mais recule. Ouais, voilà. En fait, c'est un peu comme dans le jeu, tu sais, avec Laurence Boccolini qui passait avant, là. Oui. Ce fameux jeu. Ta mère, c'est par où? Attends. J'espère que je suis dans le bon sens. Pas du tout. Pire passage. Non, mais ils vont nous faire ça à l'infini, c'est le problème. Non, mais je pense qu'il faut qu'on fasse un truc. R2. Ah, mais lol. Casse le truc à gauche. Oui. Oh, madame. Non, mais genre... Dans ce temps-là. Tu sais, Ada, pourquoi elle nous envoie des vieux lasers dans la tronche? Merde. Mais j'avoue, on lui a fait quoi? Bah, tu sais, c'est ce perso qui est comme ça, quoi. Ok, faut casser les dents en même temps, vas-y, c'est bon, là. Putain, l'enfer. On va prendre l'escalier. Ada, un jour, elle est gentille, un jour, elle te met des coups de pute. Genre, une nous font des petits plans fixes à la Resident Evil. Ils se sont rappelés. Tu sais, c'est comme une personne qui a Alzheimer et qui, pendant une demi-seconde, se rappelle. Ah, mais oui! 0-0. La note de ce jeu. Non, en vrai. Je l'aime bien, en vrai, le game. Non, c'est cool. Ouais, c'est no brain, tu vois, mais c'est cool. Le gameplay, il est sympa, tu vois, il se joue bien, je trouve. Donc. Ok. Les cuves, bizarre. Elle m'inspire pas. Ok. Là, je peux pas changer d'arme. 12 pour lesquels je n'ai pas de place. C'est bête. En plus, tu oh, bah, tu peux quand même accéder à ton inventaire. Te plains pas. Bah ouais, mais bon. Ouais. Bien, ça, j'avoue que j'ai pas de place non plus. Bon, c'est bon. Fermé. En fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce calibre 12 étant donné c'est la question. Ah, j'ai comme l'idée que tu vas en avoir bientôt besoin. C'est même pas des cuves de distillerie, peut-être. Peut-être que c'est un nouveau breuvage chinois. Mais Ada, qu'est-ce qu'elle branle? Putain, la casse-couille. Ici, nous avons mené des recherches vraiment fascinantes. Ok, quand tu leur tires dessus, ça les bump. Oh. Ah, d'accord, attends, je pense qu'il faut leur tirer dessus pour les renvoyer sous les cuves, peut-être. Ouais, c'est ça. Je lui demanderai quand on l'aura attrapé. Léon,
Elena, à vous. J'essaie d'ouvrir, mais le système de sécurité est très efficace. Ok, il faut temporiser peut-être. Faut temporiser, je pense. Essayez de l'ouvrir manuellement, quoi. Ah, d'accord. Cover me. Essayez de déjouer la sécurité. Occupe-toi de nos invités. J'ai piraté. Il a aucun sens le perso d'Ada. Ah non, mais totalement. Ça a toujours été comme ça, c'est un délire. Un jour elle est gentille, un jour elle est méchante. Mais en fait elle est gentille, mais elle aime Léon, mais elle l'aime pas vraiment, tu vois. Alors. Non, des aspirateurs robots. Ouais, les Roomba. Tu t'en sors bien, t'y es presque. Je vais littéralement me faire exploser la tronche. Vas-y, je pirate. Dead by Daylight. Ada, elle a plusieurs identités. C'est une blague ou c'est vrai? Parce que peut-être que je sais pas. Hein. Non mais. C'est bon, j'ai fini de pirater. Oui. De la salle 0 en cours. Mais je me demande, je crois que c'est pas la vraie Ada. Parce qu'elle est elle est pas en rouge en plus. J'en suis pas sûr parce que je m'en rappelle vraiment pas, mais là quand je vois ça, je me dis c'est pas la vraie, tu vois. Il y a des trucs ici. Oui. D'accord, le tien était vide. Non, moi j'en ai eu deux. Ah what? Moi j'en ai eu qu'un, l'autre c'est sa sœur jumelle, une hypothèse. C'est le mec de Split. C'est Ado. Ado, de ouf. Non, c'est le mec de Split, c'est James McAvoy avec une perruque. Ok, ici. Ah, il faut visiblement qu'on se le fasse à deux, le truc. Et qu'on soit très synchro sur nos mouvements. Bah sinon, on peut pas titiller, mec. Au bout d'un moment. Ada, oh. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Désolé, je ne suis pas trop d'humeur. Cette course poursuite. Ça va, le virage est gérable en sprintant. Oh non, une smoke, mon mortel ennemi. C'était amusant. Non mais, le forcing. Alfred, j'ai besoin d'une évacuation. Jean. Mon PCRP, son grappin, elle l'a toujours eu. Oh, cette course. What the fuck. Cette démarche. Ne la perdez pas. Oh. Ok. Le commandant Shepard qui est là. J'arrive. La voilà, arrêtez-la. Let's go. Chris. Commandant Shepard. Ils sont tous là. Sa sœur jumelle s'appelle Christine. Près d'une fenêtre. Son nom. De ouf. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Oh mais Léon! Mais oui, mais regarde, non mais c'est normal, c'est le fanservice là. Mais quel simp! Ah oui, mais c'est le fanservice, Léon et Chris qui se battent, c'est genre tout le monde attendait ça, tu vois. C'est la première fois que tu les vois qui se rencontrent, je crois, dans le jeu. Enfin, pas dans l'histoire, mais dans le jeu, c'est la première fois dans le jeu que tu les vois ensemble, oui. Ce plan du fanservice, mec. Mathilde? Chris? Ah non, Chris. Léon! Qu'est-ce que tu fais là? J'aime bien son look dans le 6 parce qu'il ressemble quand même pas mal à celui du 5. Ils ont quand même été cohérents, tu vois. Baisse ton arme, Chris. C'est un témoin important, on a besoin d'elle. Non, mais quel simp. C'est elle qui a causé tout ça. Non, c'est pas elle, c'est Simmons, le conseiller de la sécurité. J'ai perdu tous mes hommes à cause d'elle. Et moi, j'ai perdu 70 000 personnes, dont le président à cause de Simmons. Et ben moi, j'en ai perdu 10 milliards. Elle travaille pour Neo Umbrella, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, je sais. Remarque, c'est vrai que je te disais tout à l'heure qu'il avait la voix de Statham, mais il l'avait déjà de façon dans le 7 et le 8, j'avais oublié. Oui. Bah ça m'avait pas choqué. Oui, mais après, oui, c'est moi qui je bite trop les voix à chaque fois, je cheat tout dessus. Ah mais... Oui, de plus en plus aussi, putain. Maintenant c'est plus Statham, pour moi c'est la voix du commandant Shepard. Ça fait 10 ans qu'ils sont en train de se mater avec leur flingue. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose, c'est clair. Ah putain. Une flashbang. Ah, ça veut latter. Elle travaille au labo de Wuhan. De ouf. C'est elle qui a causé tout ça. Stop. T'as enfin un mec qui essaie de faire des trucs. Ils ont l'air cons les deux là, ils se sont fait flasher. Ça me rappelle les mêmes qu'il y a sur Chris sur Reddit. Chris, il veut juste que Léon imprègne sa sœur. C'est un vieux mème qui traîne tout le temps. Genre, ah, mais oui. Du coup, on veut tous les deux la même chose. Quoi, je veux que tu imprègnes ma sœur.
C'est vrai que le 6 c'était vraiment celui du fanservice quand même. Sûr qu'on peut compter sur lui. Il est là depuis aussi longtemps que moi. Ah non, il était là depuis le 1. Je lui fais confiance. D'accord. Non mais, putain, Baba qui est en train de se faire un délire. Ada, c'est Christine qui est juste pas contente de son nom. Du coup, elle a jamais aimé son nom, donc elle se venge et fait elle à Christine, elle dit d'une voix bien grave un Batman, not Christine. Je suis avec le grappin. C'est ça, n'importe quoi. Vas-y. Si les infos de Chérie sont bonnes, Simon sont... juste... J'ai encore le bruit des Arkham là-dessus. Le bruit des quoi, des Arkham? Ouais, c'est le grappin d'Arkham. Ah oui, bah oui. Double croix. Mais de ouf. C'est pas mes croix pour avoir le boost. Mais de ouf. Léon, t'es sûr de Freedom de... en sueur à deux doigts de dire que Arkham City était moins bien qu'Arkham Asylum. Ça a jamais changé. Tu regrettes quand même pas de l'avoir laissé filer. On s'occupera de Ada. Bah, je l'ai refait il y a pas longtemps, Arkham City. Il est vachement cool, mais là, je crois que j'ai trop se concentrer. Oui, non, mais ouais. Il a des longueurs de ouf, Arkham City. Allons arrêter cet enfoiré. Le 1 reste quand même une masterclass. Hein. Oui. Par contre, l'herbe, je vais pas pouvoir passer à côté. Hein. Ah, c'est... Oh, t'as vu de l'herbe, putain, mais moi je l'ai pas vu. Attends, j'arrive. Je drop un truc, pourquoi? Asylum, meilleur jeu by far. Le mec, il a fait Asylum, la moitié d'Arkham City, mais c'est le meilleur. T'as me fait Arkham Knight. Je vais dropper mes bombes télécommandées. Mais où ça, t'as de l'herbe, toi? Devant toi? Ouais. Mais lol, moi c'est des balles. Putain. Quelle arnaque. Je suis fou là, en vrai. C'est pas la folie. Et par contre... C'est dommage que tu puisses pas juste poser tes objets. Oh, t'as eu de l'herbe toxico. Ouais, ouais, on pourrait se les prêter, ouais, ce serait cool. Enfin, se les passer. Par contre, je viens de remarquer un petit détail super cool. Quand tu spam R1, c'est pour prendre plusieurs tic-tac dans tes mains. Tu ouais, vois vraiment 1, 2, 3 tic-tac. Mais tu vois vraiment le nombre de tic-tac dans ta main, c'est bien fait. Pas besoin de mater l'intégrale de plus belle la vie pour savoir que les Simpsons c'est mieux. Non mais là c'est complètement pété ton argumentation. C'est nul à chier. Oh, le petit plan était stylé. En hauteur. Ouais. Ça c'est vraiment les devs qui ont dit « Hey, je veux que vous regardiez parce qu'on s'est fait chier à faire un décor. » De ouf. Bah vous allez regarder. Je crois que je fais nimpe avec ma cam, je la réactive pas au bon moment et tout, mais c'est parce que je suis tellement focus sur le jeu. Simon. Oh là t'as Kiryu qui arrive. Voilà qui est inattendu. Le fameux Kiryu de Chine. Bah oui. Non, attendez. Mais tout le monde se ramène là, c'est trop le bordel. Je renlève la cam. Veuillez arrêter ces deux individus, je vous prie. Ils disent que vous êtes impliqué dans l'attentat. Est-ce que c'est vrai? Oh, ne me dites pas qu'ils s'amusent à crier ça sur tous les toits quand même. Répondez-moi. Uniquement pour le bien du. Le mec il pourrait dire non. Bon d'accord, j'avoue. Président pourrait profiter au pays. T'as lu la troll somme pour le président, c'était souvent son bourreau, tu sais. Oui. Mais c'est Léon qu'il faut remercier. Ah, monsieur le président. Ah. Il avait promis une promotion, c'est pour ses bonnes salles. On va esquiver les balles. Non, mais ça va, c'est des balles qui touchent pas. Ces deux-là peuvent encore nous servir. Vous devriez être plus prudent. D'accord, quel est le plan, monsieur le héros? Oui, casse-couille. Vous pouvez atteindre cette porte? Mais pourquoi on les bute pas? Parce qu'il faut que tu protèges Chérie. Vous pourrez en finir. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Et qu'est-ce que vous allez faire? Tuer Simmons. Tuer Simone. Elle contient des informations pouvant arrêter le virus C. Simmons la veut. Pour savoir comment ça se fait qu'elle l'est, il faut jouer la campagne. Je l'ai jamais faite pour le coup. La sienne, là. Ah? Celle de Chérie. Ouais, j'ai fait que celle de Léon, moi. J'avais commencé celle de Chris, mais comme je venais de finir celle de Léon, j'étais un peu gavé. Trop dur. Ouais. Les Ganados, non, je sais pas. Oh, lui, il s'est fait injecter un truc. Aïe, aïe, aïe. Il s'est fait tirer dessus et l'autre, il s'est désintégré, donc... Ouais. Ah, Ada encore. Putain de Christine. J'adore parce que les méchants, faut toujours qu'à un moment, ils se prennent l'injection, tu sais. Ouais, toujours. J'ai hyper discret ce plan quand il est dit dans un entrepôt qui résonne. Ça, j'avoue, par contre. Psst, écoutez. Ah, mais oui, je me rappelle de ça, je crois. En fait, faut toujours que le méchant finisse sur un gros véhicule pour faire un combat stylé. C'est comme dans le 5 avec la meuf, tu sais, sur le bateau. Et que c'est là. Oh, mais genre, comment on fait des ralentis depuis tout à l'heure, mon gars? Ça déconne zéro, on n'a pas le temps. Ok, ça va être le moment claquage de Mune. Non. Non, non, je pense que ça va être un moment infiltration. Stealth kill. Suivez Derek Simons. Vas-y.
Ah, là, ces démarches de sprint, elles sont incroyables. T'inquiète pas. Mec, franchement, maintenant, je crois que dans ma vie, je vais sprinter comme ça. Et le pire, c'est que t'avances pas si vite. Non. Voilà. On fait la course et c'est moi qui gagne. Ah, mais non, il y avait les balles. Oh. Le mec qui recule. Attends, putain, mais gros, j'ai pas. Oh, vas-y, ça me gave. Attends. Vas-y, je jette 3 grenades, c'est bon, ça me pète les couilles. 2 herbes rouges. Je vais jeter 7 munes de d'assaut. C'est pas grave, 7 munes, on s'en branle. Putain, mais toi, t'es full de ouf. On peut pas améliorer son inventaire, en vrai, c'est vrai qu'il est petit. Hein. Ah, il est petit. Hein. Le mec qui s'arrête. Hop là. Hop là. Ok. Ah, il doit prendre un seum monstrueux là. Aïe aïe aïe. C'est quoi ces téléphones? Rendez-vous, Simmons. C'est terminé. Mais il va pas se rendre, il va se transformer, putain, mais Léon, mais merde! T'étais où dans Hero 4 et Hero 2 là? Vous me poursuivez, alors que cette femme est en fuite. Quelle femme? Cette traîtresse! Non mais Léon qui est vraiment à la bourre. Qui sait ce qu'elle nous prépare? Il y a une autre équipe à ce moment-là. Avec les zombies, quels zombies? Vous êtes amis. Vous êtes là pour venger le président, c'est bien ça, imbécile. S'il avait dévoilé la vérité sur Raccoon City, les États-Unis auraient perdu toute crédibilité et l'équilibre politique mondial. Ce serait des grandes phrases qui veulent pas dire grand-chose. Vous en avez causé un autre, peu importe le nombre de victimes. Il fallait l'arrêter. C'est nul. Comme récit, il est pourri le scénar. C'est la chaos. Ah, c'est incroyable. Le nanar, je kiffe trop. Comment a-t-elle pu oser me faire ça? L'équilibre mondial du pouvoir de la balance. Non. Mais en quoi ça l'aurait affecté? Parce que c'était dangereux. Oh mais genre... C'était pas du tout prévisible. Non putain, moi qui aurais pu... Oh. Ah yes. Un bon gros stromon. J'ai encore oublié d'enlever la cam comme à chaque fois. Putain, je suis vraiment le... Je suis vraiment une merde. J'y pense pas. Ça va devenir ce genre de monstre. Ouais. Une bait, j'ai une grosse bait. Un tigre dans le sabre. Ok, bah t'sais quoi, c'est le moment de claquer des. Des grenades. Recule un peu. Je sais pas si. Non, t'approches non. pas. Ah, mais genre. Attends. Non, mais lol. D'accord, on peut pas l'attaquer pour l'instant. Allez, tous les deux au diable. Je vous tuerai de la propre main. Oh, il est pas content, hein. Le toutou. Ouais. Non, 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 mais non. Je sais pas si on est censé le fight ou pas, tu vois. Si, si, on est censé le fight. Vas-y, barre-toi, barre-toi. Fuck, fuck. Ok. Ouais, faut qu'on se casse, faut qu'on se casse. Bon, après, toi, il est devant toi, donc c'est pas si grave. Ah, vache, c'est quoi ce bordel? Vas-y, viens, 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 viens. Ah, il est passé au-dessus. Oula. Bon, je peux le faire péter, ça sert à rien. Merde, c'est fermé. Ah. Ah, ah. Okay, d'accord. Ouf. Ok, encore un boss à la con, quoi. Alors. Il est trop rapide. On doit l'attaquer de d'accord. tout côté. Ok. Oh, regarde la classe. Oh, donc le deagle. Je vais vous massacrer. Ils aiment pas le deagle en général. Attends. Je peux rien faire. Oui. Tiens, regarde, coup de genou. Oh, je le patate. Les patates. Patate, alors que le truc il peut se transformer en monstre hyper dégueulasse, j'y vais au cac avec les mains, tu sais. Mais oui. J'ai pas peur de toi, Simon. Je mets du calibre 12 dans le cul. Vas-y. Ok. Il est où? Il est remonté? Après, c'est là-haut. Ok. Je crois que j'avais des balles de pompe là-bas que je pouvais prendre. Vas-y. Peut-être sortir le fusil d'assaut de marine. Ah, du calibre 12. Bon, vas-y. Il va arriver. Le fusil d'assaut aussi, j'ai beaucoup de balles. Ouais, moi aussi j'en ai pas mal. Bon, j'en ai 98. Toi, t'en as sûrement 2000. 110. Bon, ça va. Bon, qu'est-ce qu'il fout là? Charge, Simone.
Simon de revoir. Ah. Ah, tu vas te le soloter ? Bah vas-y, amuse-toi bien. Allez, bon courage. Vas-y, tu vas la voir. Ah, attends. Ah, tu peux m'aider. Ah oui. Déjà. What the fuck ? Il est mort ? Elena, tout va bien ? Déjà ? Merci Léon. Non, il est 100% pas mort. Bah tiens. Mais pourquoi c'est toujours pour moi ? C'est un délire. Comme par hasard, il y avait un autre wagon à côté. Bah oui, bien sûr. T'sais, il aurait pas pu me jeter contre le mur à gauche, c'est. Oh mais putain, mais. Allez, bon c'est courage, pas... Léon. Mais oui, non, mais quand c'est pas le monstre. Attends, mais. Quand c'est pas le truc aquatique qui me course. C'est lui. Vas-y. Oh merde. Comment j'ai fait pour monter en haut au calme alors que tout à l'heure j'ai eu besoin d'aide. Uncharted mon gars, c'est quoi ce jump que je viens de faire? Oh bah il est énervé. Mais comme il cavale le bordel. Il tire des roquettes biologiques. La mitraillette biologique. On comprend rien. Ouf, ça ressemble à que dalle. Attends. Ok, attends, je vais jeter, tant pis, je vais jeter ça. Ow. Vas-y, tu peux me cover ou pas? Ouais. Vas-y, j'ai trouvé de l'herbe, c'est pour ça. Merci. Ok. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, le tuer, mais comment? Ça, sûrement, oui. Oh la vache. Ouh. Oh la gueule qu'il a. Non mais en vrai il a des moments trop stylés le jeu je trouve. Autant le scénar il est éclaté mais franchement il est cool tu vois genre... Tu sais c'est action quoi. Genre il n'y a pas de pause quoi dans le jeu, c'est n'importe quoi. Oh un train peut en cacher un autre. Ah bah non. Ah ouais. D'accord c'est ce genre de stremont. Ah ouais t'as de la forme. Ok il va nous charger dessus. Léon Simon. C'est... Sasuke! Attends, what? Bah, c'est bien pratique qu'il soit retransformé avant d'arriver. Et là, mec, je te jure, s'il sort... On vous arrête, Simmons! Je pète un câble. On va vous passer les menottes! Oh la sale. Le monde aura enfin la paix. Pire punchline. Mais genre. Oh mais genre. Allez. Non du 9 mm. Mais genre. Mon plus gros point faible. Le mec il a pris un train en pleine gueule, vraiment que la balle de 9 mm c'était trop quoi. C'est qui lui putain? Laissez-le. D'accord. Ok. Grosse intervention de l'hélico. Ma famille m'abandonne. Une chance R7 avant l'heure. Aïe. Il y a que son plan à dérailler. Présent sur les voies, votre train aura un peu de retard. De ouf. Là normalement tu prends 100% les câbles, mais c'est pas grave. 100% ouais. Les câbles. Ça serait bien la fin du chapitre, ça. Hein. Ouais, parce qu'il était long ce chapitre, quand même. C'est... Ouais, il a fait une petite... une bonne heure. Ah, pas fini. Le plus long qu'on a fait pour l'instant, c'est le premier, je crois. Il fait une heure et demie. Increvable. Increvable, les gens. Ouh. Ça essouffle, hein. Ah, j'ai mal aux côtes, mec. Je sais pas pour toi. Toi aussi, t'as mal aux côtes. Tu crois qu'il est mort? Ouf. Je sais pas. Mais on a fait ce qu'on a pu. Pire phrase, tu sais, genre le truc, il est pas mort, ça tout. Bon, bah, ouais, bon, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Vas-y, c'est bon. Se casse, mon gars. Allez, on va se rendre chez moi, je suis en week-end. De ouf. Et hop, 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 je suis pas payé, moi, pour faire des heures sup là, c'est bon.
Qu'est-ce qu'on aime les passages où on est forcé de marcher comme ça. Par contre, j'adore, je me rappelle qu'elle m'avait marqué la ville, mais je la trouve trop classe. Genre ultra urbain, la Hong Kong un peu. C'est stylé. Les horreurs de la guerre bactériologique. Oui. Non. C'est fini. Pas du tout. Mais on n'est pas si loin de la fin, il doit rester deux chapitres grand max, je pense, ouais. Nous avons un problème. Chéri et son compagnon ont été enlevés. Ils sont dans un champ pétrolifère sous-marin à une centaine de kilomètres. Et son compagnon. Un champ pétrolifère sous-marin à des centaines de kilomètres chez nous. De en dessous de nous, pardon. Ça dit quelque chose. Mais oui. C'est la clé pour arrêter le virus C, c'est... Jake. Jake Müller. Vérifie s'il existe une unité... Müller de OC-117. C'est bon. Je sais pas comment il dit déjà. Tu sais, à moins qu'il crie, c'est parce qu'il y en a marre qu'on se fout de la gueule du troisième Reich, je sais pas quoi, tu sais. Ah, mais oui. Vas-y, là, c'est bon, ok. Je te mets en contact avec lui. Chris Redfield. Chris Champ Rouge. Léon, où t'es ? Chris, on est devant Tachi, pourquoi ? Oh shit. Oh. Ils ont l'air un peu trop contents de se retrouver à gauche. Aïe. Ça c'est le bad. Où étaient les Avengers? Ah, une vraie outbreak. Ça, c'est ce qu'on aime. Tu vois, c'est pour ça qu'on veut du Resident Evil, putain, c'est pour des scènes comme ça, là. Vas-y, un bazon de zombies. Lui, par contre, il y en a un, je sais pas si tu l'as vu, il a foncé dans les zombies. Non, je l'ai pas vu. Genre, t'as claqué un S en rang. Mais excuse-moi, pardon, je m'incline. Bah, ça fait deux chapitres que je fais des rangs S. Ah ouais, pardon. Moi, je suis qu'un modeste joueur rang A. Le mec, il est là pour tryhard, trouver le loot, tout ça. Par contre, comment ça, ennemi abattu 13 et 11. Là, c'est vrai qu'on a peut-être pas tant tué, on a pas tué tant que ça sur ce chapitre-là, j'avoue. Et non, parce qu'on a pas arrêté de courir après Ada, on a couru après l'autre là. Et... Non, j'avoue, en vrai, on a pas mal tracé. On a pas eu tant d'ennemis que ça. Ok, bon bah allez YouTube, on se retrouve bientôt pour la suite. Bisous, prenez soin de vous, bisous.